Amém. 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 Ça faisait longtemps, depuis qu'on est là, depuis 2011, si je ne me trompe pas, on n'a jamais reçu les factures, la facture de l'eau. Donc, je ne sais pas comment le propriétaire faisait pour payer ces factures-là. Mais en 2014, comme mon voisin qui était en bas ne payait pas le loyer, on l'a mis dehors et le propriétaire a donné la maison à l'agence. Donc on devait traiter avec l'agence. Et puis, ça veut dire que les factures de l'électricité devaient venir à mon nom et je devais payer contre tout le monde. Et en 2014, j'attendais la facture n'était pas venue. En 2015 non plus. Aujourd'hui, en 2016, j'ai reçu des factures de 3 500. Et là, je n'étais pas bien. J'ai dit, avec 3 500, comment je vais faire? J'ai commencé à dire aux enfants, on va chercher à trouver des solutions pour diminuer l'utilisation de l'eau. Peut-être c'est parce que je reçois beaucoup à la maison ou quoi, je commence à me faire des soucis. Et puis le Seigneur m'a conduit à écrire une lettre au propriétaire. Je lui ai écrit, j'ai dit je vais bien payer l'argent, mais c'est beaucoup, je ne saurais pas, c'est tôt. Alors il ne m'a pas répondu. Mais un jour, il est passé à la maison, il m'a dit tu peux me donner 3 minutes, on va causer sur mon compte. J'ai dit. Alors il me dit, avant même qu'il vienne, j'ai introduit à mon travail, parce que là, à mon travail, on aide les gens qui n'arrivent pas à payer l'eau et l'électricité. Alors je me suis dit, bon, je vais demander aussi. J'ai introduit une demande, là aussi on ne m'avait pas encore répondu. Mais à ma grande surprise, le propriétaire est venu à la maison pour me dire, écoute madame, je comprends, mais ce que je vais faire, je ne peux pas le faire avec quelqu'un d'autre. Alors au lieu de 3 500, je vais te demander de payer 1 000 et les 2 500. Amen. Et puis, un autre témoignage. Cette même semaine, j'ai reçu encore une bonne nouvelle pour ma formation de néerlandais, c'est-à-dire là où j'allais suivre la formation, on payait 30 euros par module. Et il y a aussi d'autres écoles publiques, là on demande même pas l'argent. Et moi, bon, comme je voulais à tout prix parler le néerlandais, je trouvais que là où j'étais, il y avait beaucoup de monde et que je ne suivais pas très très bien. Et je me suis dit, je vais chercher une école privée. Quel que soit le montant qu'on va demander, je vais chercher des solutions. Et puis, je me suis inscrite et là, on m'a demandé 350 euros pour 2 mois. Et on allait seulement le lundi et le mercredi. Donc, c'était vraiment beaucoup. Et je suis allée à mon travail et j'ai demandé, bon, je suis une formation, mais ça me coûte maintenant 350 euros. Quand je trouve, est-ce qu'il y a moyen de m'aider à payer? Ils ont dit non, 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 madame, ça on ne peut pas. Tu sais bien qu'il y a des écoles publiques, il y a beaucoup, beaucoup d'écoles où on donne même des cours gratuitement, il y a d'autres où on demande 30 euros, 20 euros. Tu es allé chercher toi-même une école privée, donc on ne sait pas payer ça. Je ne sais pas comment, j'étais toujours très poussée à le faire. J'ai payé, moi-même j'ai dit ok, je paye 350 euros, je vais quand même suivre cette formation privée. Je suis allée là-bas, j'ai payé et puis je suis rentrée. Puis je suis retournée voir la dame, je lui ai dit écoute, j'ai payé.
Et j'ai besoin que vous puissiez me rembourser cet argent. Je dis, mais madame, ça ne va pas. Tout le monde ici, on ne rembourse jamais, on ne peut même pas, je ne peux pas introduire cette demande parce que c'est trop, parce qu'il y a des écoles primaires publiques. Là, on donne gratuitement les leçons. J'ai dit, bon, madame, écrivez, c'est ma sécurité, vous dire. Alors, elle a écrit, elle a dit, oui, je vais le faire parce que tu insistes. J'ai dit, oui, écrivez. Et elle a écrit, et je vais donner comme raison, je voudrais parler néerlandais. Là où je suis, je n'ai pas l'occasion de parler. Et à l'école privée, on n'est pas nombreux, on n'est que six. Et là, je peux parler avec les profs et avec les autres. Et avant-hier, le vendredi, j'ai sorti avec les enfants. On allait faire les courses. Et j'entends la dame qui m'appelle pour me dire qu'envoie-moi ton numéro de compte. On a accepté de rembourser tout. Amen. 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 Amen.